Pour nous, au PCOT, nous étions toujours en avant
femmes avec LGTB, avec les militants LGTB. On a défendu tous les droits légitimes de la classe populaire et pour nous, tant que le combat ça va continuer contre cette nouvelle fasciste qui est en train de s'organiser, et nous sommes sûrs que nous avons ce combat et le victoire ça sera pour nous tous, pour la démocratie, pour les progressistes et pour les méditerranéistes. Et merci. Le monde entier, aujourd'hui, le mouvement de contestation en Russie, il prend l'exemple de la révolution tunisienne. Ce n'est pas une tentative timide qui s'est fait contre l'UGTT qui va plier l'UGTT. Le régime de Ben Ali est incapable de plier l'UGTT parce que l'UGTT, ses hommes, ses militants, ainsi que ses camarades à l'extérieur qui le soutiennent. L'UGTT demeurera la force principale. Bien organisé en Tunisie. Moi, vous savez, un ami qui a toujours assisté aux meetings, aux réunions des Tunisiens depuis des dizaines d'années, c'est Daniel Lindenberg. Je te remercie, Daniel. Le monde entier, sans la révolution tunisienne, il n'y aurait pas eu les mouvements qu'on a connus non seulement dans le monde arabe, mais aussi dans ce qui se passe en Russie, ce qui se passe même en Chine. Le pouvoir totalitaire tremble devant l'exemple, a interdit par exemple le mot jasmin dans les mots-clés d'Internet. Il y a également ce qui se passe même en Europe, où finalement le mouvement des indignés s'est aussi mis à l'exemple tunisien. Et donc je crois que pour les démocrates du monde entier, il faut dire bas les pattes devant l'UGTT, puisque c'est ça qui se joue. Il faut rappeler que l'UGTT a commencé sa lutte, son combat pour l'autonomie, pour son autonomie, quel que soit le parti politique au pouvoir, depuis 1977. Aucun pouvoir n'a jamais réussi à faire taire l'UGTT sans prendre à elle, c'est avouer qu'on est des étrangers à la révolution, qu'on veut simplement profiter de la révolution et qu'on a peur de cette révolution. Nous, membres de la société civile, encore une fois, nous nous regroupons autour de l'UGTT comme nous savons que l'UGTT sera derrière nous dans toutes les occasions où le peuple tunisien aura à se battre pour sa dignité et sa liberté, comme ça s'est fait le 14 janvier, comme ça se fera toujours. Merci à l'UGTT encore. Merci à vous, Père. C'est le 60e anniversaire de l'assassinat de Farhat Hachem par la main rouge, par le colonialisme français. Et dans ce 60e anniversaire, un an après que le peuple tunisien se soit libéré, on attaque l'UGTT. Eh bien, tous les anticolonialistes doivent se lever pour faire front, pour défendre l'UGTT de Farhat Hachem. Aujourd'hui, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut arriver à défendre les acquis de la révolution tunisienne et défendre les acquis de la révolution tunisienne, c'est défendre l'UGTT. Merci. Nous exigeons leur condamnation immédiate par le gouvernement et l'intervention des forces de l'ordre pour les persécuter, punir les coupables, si où qu'il faut y aller les chercher, déclarant notre entière solidarité avec l'UGTT et appelant toutes les associations et la société civile à se joindre à nos forces dans toutes les formes de soutien pour l'UGTT. Et je pense que cette atteinte à l'UGTT et ces atteintes répétitives que j'ai dit à la société civile, s'ils révèlent quelque chose, c'est que le gouvernement veut instaurer une nouvelle dictature en Tunisie. Collectif, donc, parce qu'une œuvre, pour essayer de collecter de l'argent et de l'envoyer à destination, comme ça arrive, c'est un travail, c'est une initiative citoyenne, il est ouvert à tous et à toutes, actuellement en termes de permanence. Dans l'espace de famille à Aubervilliers, mais on a réussi à ouvrir des permanences dans le consulat. Je vous invite à retenir la date du 25 mars, prochain. أنا سعيد جدا.
أن في هذا اليوم نساند الاتحاد العام التونسي للشغل، هذا المكسب العظيم إلى التونسيين. تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل مليء بالنضالات، ليست اليد الحمراء التي اغتالت حشاد تمكنت من نسفه، وليس الحبيب بورقيبة الراحل في 26 جانفي 1978 تمكن من نسفه، وأن عدن الحاجي مازال في مخيلتنا هذا البطل الذي ساهم في إسقاط الدكتاتورية بن علي، وأن اليوم سيبقى الاتحاد وسيعيش الاتحاد رغم الداء والأعداء، وهذا مكسب عظيم سنحافظ عليه كلنا. وأنا سعيد أن أجد نفسي في هذا اليوم مساند الاتحاد، فهذا خط أحمر لا يمكن للحكومة الحالية بتونس أن تتجاوزه، وشكرا. Donc c'est un moment d'expression de solidarité et de que la cause aujourd'hui de l'UJT, symbolisée dans l'UJT, la cause de la démocratie en Tunisie, c'est une cause qui dépasse les frontières réellement et qui intéresse tous les esprits de liberté et de justice dans le monde. C'est pour cela que tous et toutes veulent que la Tunisie réussisse sa révolution, réussisse sa transition démocratique et que l'UJT et le mouvement social jouent son rôle, il est fait pour cela, donc on le laisse jouer son rôle. Voilà ce qu'on peut tirer de cette réunion réussie et merci à toutes et tous ceux qui ont participé à cette réunion, à la réussite de cette réunion. Il y a beaucoup de militants qui ont participé à cette réunion, on les remercie encore une fois et peut-être à une autre fois.